Mercredi 20 mai de l'an 2020, nous sommes aujourd'hui et voilà Nasuba qui revient en son intégrale, l'intégralité de Nasuba qui prend ses droits sur la grille des programmes de la régionale de l'ORTV. Mesdames et messieurs, Didier Aina est à la partie technique de cette matinale. Agotonou à la mise en homme YouTube. Allez, pour nous suivre, tapez tout simplement et c'est Nasuba et vous êtes avec nous en mode visuel. Doris de l'autre côté qui est en train de concocter l'actualité matinale. Il s'agit bien sûr de Doris Nathalie Olabi. Vous les aurez sur le plateau de discussion également. Firmin Bassao Abdoulaye Mouakobo en direct de Kandi Kiliro Gounoussero qui a supervisé l'autre partie du Borgo. Et voilà, mesdames et messieurs, Claudia Dandé est également au rendez-vous et c'est avec elle nous ouvrons Nasuba de ce jour, l'horoscope. Très ravi de vous retrouver ce matin, amis auditeurs de Nasuba. C'est le conseil des astres. Bélier, c'est en chassant vos doutes et vos angoisses que vous trouvez confiance en vous. Votre façon d'agir s'en ressent positivement. Négocier vous semblera facile. Vous aurez plus de chances de convaincre les bonnes personnes. Taureau, c'est dans le confort d'une vie quotidienne stable que vous évoluez le mieux et que vous puisez l'énergie qu'il faut pour rivaliser avec vos concurrents. Prenez du temps pour vous. Bonjour Gémeaux, si vous retrouvez un amour oublié, cela vous troublera, mais il y a peu de chances que vous repreniez cette relation. Vous risquez juste d'éprouver quelques regrets vite passés. Cancer, c'est parce que vous avez les pieds sur terre que vous pouvez gérer certains petits problèmes affectifs. Autant vous dire que la période est propice à la tendresse et au câlin. Vos amours reprennent de la force. Lion du signe, ne lâchez rien. Continuez vos projets. Gardez toujours en tête vos objectifs prioritaires. Allez à l'essentiel et concentrez-vous sur les défis du moment. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si vous êtes du signe Vierge, de bonnes nouvelles arrivent à point nommé pour vous permettre de retrouver un nouvel élan si vous travaillez. D'importantes signatures pourront être conclues après une longue attente. La chance est avec vous. Profitez-en, amis du signe Vierge. Vous êtes du signe Balance, amis auditeurs. N'hésitez pas à faire le point dans vos dernières dépenses avec réalisme. Il faut rétablir l'équilibre du budget et envisager honnêtement votre avenir matériel. C'est un bon jour pour mettre en place une loi familiale anti-gâchis. Célibataire Scorpion, attention à ne pas vous montrer trop exigeant avec les personnes que vous convoitez. Vous pourriez les faire fuir plutôt que de les attirer à vous. Un déclic avantageux se produit, la journée se finit très bien. Sagittaire, les astres vous offrent des opportunités aujourd'hui. Votre vie s'éclaire comme si vous aviez donné un coup de baguette magique à votre vie amoureuse. Vous avez de la chance, ne la gâchez pas. Capricorne, surveillez vos paroles. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, surtout à certaines personnes. Parfois, il est trop tard quand on prend la mesure de ce qui a été dit. Ne vous laissez pas emporter par votre franchise. Verseau, les influences astrales sont extrêmement favorables pour vous aujourd'hui. En trouvant une grande motivation, vous avancerez plus rapidement dans vos projets. Vous êtes dans une bonne énergie, ne lâchez rien. Poisson, juste parce que vous doutez, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Des occasions concrètes se présentent, vous avez de sérieuses possibilités de réussir. N'attendez pas. Eh bien voilà, c'est tout pour le conseil des astres. Amis auditeurs, merci d'avoir été là. Je vous souhaite par anticipation une très bonne fête de l'Ascension.
Eh bien, c'est de l'Assomption. Merci à vous, Claudia Adandé. Voilà, pour ce qui est du message des astres, mesdames et messieurs, Nasuba qui reprend son cours normal. Fini la campagne électorale, fini l'élection, le scrutin lui-même. Et Nasuba qui retrouve toutes ses rubriques pour vous, mesdames et messieurs, opinion dans un instant. Mai s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national, les communales et municipales 2020. Quelle appréciation faites-vous de l'organisation de ce scrutin et de la mise en œuvre des mesures barrières dans vos localités? Nasuba de ce mercredi 20 mai 2020 vous donne l'occasion de vous prononcer. C'est bien sûr dans la rubrique Opinion à partir de 6h30 sur le 96 21 50 40. 96 21 50 40. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Voilà, c'est parti pour Opinion. Je le disais tantôt, fini la campagne électorale, fini le scrutin. Comment ceci s'est passé dans vos différentes localités? Nous parlons de l'organisation matérielle de ce scrutin, également de la mise en œuvre effective des gestes barrières, les mesures d'orientation, les orientations gouvernementales et sanitaires à ce propos contre la COVID-19. Mesdames et messieurs, 96 21 50 40, nous vous attendons, votre opinion. Appelez-nous donc pour nous faire part du déroulement du scrutin du 17 dernier dans vos localités respectives. Parlez-nous de l'organisation matérielle. Parlez-nous également de ce que vous avez vu quant à l'observance des gestes barrières, mesdames et messieurs. 96-21-50-40, le premier auditeur de ce matin. Bonjour. Auditeur, bonjour. C'est bon. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Monsieur Cotobior. Oui. Vous nous appelez de Guéman, vous dites. Oui. Guéman, c'est ici à Paracou, dans le 3e arrondissement. Nous vous écoutons. Oui. Oui, monsieur. Oui. Pourquoi vous ne croyez pas en tant Cotobio? Merci beaucoup. Enfin, je suis souviens. Oui. Pourquoi je le dis? Ok.
Ok. Alors, quel autre constat, mon cher ami Kotobio de Gama? Pardon? Quel autre constat avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez eu à constater? Qu'est-ce que vous avez noté par rapport au déroulement de ce scrutin? Vous savez, c'est un scrutin qui a eu lieu en période de pandémie de la COVID-19. Est-ce que les populations ont suivi les gestes? Est-ce que ce qui a été promis était là? Oui, je vois, on n'a pas pris la précaution. Oui. Le masque. Oui. Et on y va, Oui. Merci. Merci à vous, monsieur Kotobio de Gama. Vous nous appelez d'ici même, nous sommes à Parakou. 96-21-50-40, quant à vous autres qui voudrez me faire part de vos observations concernant ce scrutin de l'élection intérieure, bien sûr. Voici le réservoir de Jesse Barrière. Bonjour, auditeur Ali, vous êtes le deuxième de ce matin. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Garba Alassane depuis Kandina Souba. Garba Alassane, le scrutin a bien lieu de l'autre côté de Kandi, c'est dans la Libourie. Très bien. Garba Alassane, merci d'avoir suivi la Souba reprend en toute son intégralité. Vous avez demandé ceci à votre reprise, Garba. Franchement. D'abord, nous vous disons merci beaucoup parce que à chaque fois que les sujets jeunes, oui, vous faites d'abord des analyses. Oui. Et vous avez des sujets quand même qui vont peut-être apporter quelque chose, un de plus à ceux-là quand même, peut-être qui ne comprennent pas un sujet ou quelque chose qui mal comprend. Avant le 17, quand même, l'État, le gouvernement de l'Union a quand même annoncé les mesures barrières qui vont sécuriser les, comment dirais-je, et tous ceux-là qui vont accepter d'aller voter. Oui, bien sûr. Et en plus, donc je crois que ça a été, même si c'est pas à 100%, oui, ça a été respecté. Nous les gens, merci beaucoup. Maintenant, je n'ai pas sorti du cadre, mais je voulais quand même demander toujours à l'État central de bien vouloir aussi, parce qu'on a un contact, bon, c'est le cas d'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, même si cette élection n'a pas la constitution, on a respecté. Parce que juste pour pouvoir voir ce qui va se passer pour 2024. Il va demander aussi que l'État puisse avoir ce courage-là. Oui. Pour que vraiment nos lieux de culte, Vous vous éloignez de notre sujet, Garba. Merci à ce fidèle auditeur de Candy qui ne rate pas la plupart du temps cette émission, en tout cas si les conditions techniques le permettent. 96-21-50-40, un autre intervenant qui est en train de s'installer. On remonte d'abord en musique. Écoutons.
Pourquoi? Alors, quel autre constat, Monsieur Biogado? Ils ont mal voté. Oui. Il est bien. Ça ne manque pas de trou. D'accord. Il faudrait sensibiliser beaucoup plus sur la manière de vote. Comment voter et comment ne pas annuler son vote. N'est-ce pas? Ok. Bien, Gado. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui. Ils sont à remercier. Le volet sécurité était au champ. Merci, Biogado. C'est une agréable matinée de l'autre côté de Warikpa. Amdali, 96 21 50 40, notre intervenant. Mesdames et messieurs, vous avez pris part de près ou de loin au scrutin communal et municipal du dimanche dernier. Alors appelez-nous pour nous dire ce que vous avez constaté, ce que vous avez observé en ce qui concerne l'organisation matérielle et aussi nous faire cas de la situation en ce qui concerne les gestes de riposte contre la COVID-19. 96 21 50 40. Nous vous attendons. Encore une dizaine de minutes pour retrouver Doris Nathalie Olabi qui nous fait le point de l'actualité ce mercredi 20 mai. Et toute la clique de Nasuba qui se retrouve désormais pour l'intégralité de cette émission. Didier Aina, la partie technique. Herman Agotonou qui vous permet de nous suivre sur YouTube. Et déjà bonjour à tous ceux-là qui nous suivent sur YouTube. Oui, voilà, si vous le suivez, vous allez voir le geste du bonjour. Et il suffit de taper sur le moteur, sur cette plateforme YouTube, au niveau de la barre de recherche. Nasuba, et c'est Nasuba, et vous choisissez la date du jour, bien évidemment, mercredi 20 mai, et vous nous suivez en direct à ces quelques youtubeurs qui suivent Nasuba sur YouTube. Nous disons un bonjour. 96 21 50 40 pour prendre un intervenant en ligne. Non, intervenant en ligne, bonjour. C'est bien dommage, un souci de GSM. Hein? 96 21 50 40, je pense que vous pourrez nous retrouver autrement. 96 21 50 40, autrement, je le disais, parce que d'ici là, votre page Facebook qui est en cours d'activation va reprendre du service. Et là, vous aurez un autre canal de plus pour pouvoir participer à cette émission. Je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre, et à attendre ces interventions via la page Facebook de l'émission. Un intervenant qui s'installe, intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, moi c'est Aziz Alagoué. Vous, on vous appelle? Adou Koya depuis Kandi. Adou Koya, nous écoutons. Vous connaissez le sujet du jour? Vous avez pris connaissance du sujet du jour? Oui, parlons du scrutin du 17 mai dernier. Et qu'est-ce que vous avez observé en ce qui concerne l'organisation matérielle, la sécurité et surtout les orientations, les recommandations quant à, aux gestes qui doivent aller contre la propagation du COVID-19? Oui, d'accord.
les élections se sont bien passées. À Kandy, non? À Kandy, très bien passé. Oui. Et toi, il y avait une petite chaleur arrosée vraiment pour D'accord, c'est bien. Merci, nous allons prier que le mariage. Monsieur Adoukoura, vous nous appelez précisément de quel arrondissement? Vous nous appelez de quel arrondissement de Kandy? L'arrondissement de Donwari. Ah, de Donwari, oui. Vers Banikwara. Ok, allez, merci. Merci donc. Très bonne journée. Très bonne journée. De l'autre côté de Donwari. 96-21-50-40. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Et juste après Adoukoura, notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Ismaili. On vous appelle. Monsieur Zachary Marouf de Fikikiri. Zachary Marouf. Marouf, monsieur Marouf, oui, de Fikikiri ici à Parako. Nous vous écoutons. Merci pour ce matin pour votre initiative de Tissot Mé. Oui. Oui, alors que nous avons fait de Tissot Mé, je profite de votre canal pour remercier infiniment la population de Parako. Oui. Parako, les députés de 17 mai, de Parako, ont voté massivement. Oui. Ils ont voté un vote de sanction. La remarque, nous l'avons vu. Au niveau des députés de Pipirou, il y avait le retard de matériel. Il y avait du retard, mais ça a été corrigé, n'est-ce pas? Nous avions eu vent de ceci. Mais les noms vont le scrutin retenu, n'est-ce pas? Oui, ça a bien roulé. Mais au niveau des titres, nous avons remarqué la flotte de partis par là. Nous parlons de l'organisation matérielle, les instances bien indiquées pour traiter des fraudes et autres. Si c'était vrai, elles sont bien là. Vous savez bien que la Sénat est là pour cela. La Cour suprême également, notre cher ami Zachary Marouf, nous revenons sur l'organisation matérielle, sécuritaire et sanitaire de ce scrutin. Un autre intervenant, bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, monsieur Garba. Garba, la qui vient depuis quand? Oui, nous vous écoutons. Vous savez, et avec la mesure quand même d'aller qui a été vantée au niveau des lieux de vote, nous avons oublié aussi certaines personnes que chaque fois, c'est eux qui sont derrière nous pour notre sécurité, quand la police républicaine. Oui, tout juste. Voilà, il faudrait quand même qu'on soit reconnaissant par rapport à la. C'est un travail. Oui. Mais il pouvait le faire avec. Et peut-être qu'on ne peut le faire à 100%. Mais ils l'ont fait en tant qu'ils sont vraiment des vrais patriotes. Alors il faudrait quand même que je passe par là pour dire merci beaucoup à la police républicaine, surtout de mon département, Albori. Et dire merci beaucoup au conseil central qui a quand même fait des efforts pour qu'on sente la présence au niveau des bureaux de vote. Bien sûr. Il faudrait quand même qu'on aussi on dit merci beaucoup. Parce que vous avez dit, monsieur le journaliste, avec la même, ils ont été présents partout. Et on a senti quand même qu'ils sont là. Donc, et ils nous ont aidés aussi. Parce qu'il y a certains parents qui n'arrivent pas à comprendre. Et par rapport à ces mesures sécuritaires, ils ont quand même aidé ces parents-là à comprendre qu'en réalité, c'est pour la sécurité. Parce que si aujourd'hui nous voulons remplir notre citoyenneté par rapport au vote, il faudrait aussi que nous respections ces mesures-là. C'est un engagement de l'État, mais il faudrait quand même que la base de l'État soit respectée. Il y a certains jours, comme on a déjà le sujet parlé là-bas, mais l'État quand même doit comprendre ce qui s'est passé et non, peut-être que les choses seront corrigées. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faudrait que les choses ne puissent pas faire au sérieux. Merci à vous, Garba Alassane. Oui, et merci à vous pour ce deuxième et dernier passage. Vous qui profitez pour saluer la police républicaine de l'autre côté de Kandy et sur toute l'étendue du territoire national. Coucou également au commissaire divisionnaire de police Emmanuel Koudo, le directeur départemental de la police républicaine dans la Libourie. Bonjour. Oui, représentez-vous.
depuis Warkpa, dans Dali. Oui, Biogado, écoutons, deuxième et dernier passage. Oui. La police, c'est que la France est très bien. Parce que dans le quartier du Gouvernement, oui. La gens ont été amenés sur la vraie foi. La police, la police, la République, la police, la vraie, ils ont dit, ils peuvent parler à tout le monde, tout le monde, la vraie foi. La vraie foi, c'est un peu. Pour ça, je dis que la France est un peu, la France est un peu, il faut dire un chapeau. Bien sûr. Parce que dans la vie, c'est un peu, il y a la vraie foi. On voit beaucoup de gueule. Il y aura des ratés, non, pas nécessairement des contaminations ou parlant du Covid, vous voulez dire, monsieur Biogado. Je dis que merci à vous, Biogado. Voilà, la police républicaine qui aussi a participé au respect des gestes barrières, notamment le port de masque, le masque qui devrait être gratuitement distribué. Et si ceci n'était pas fait, c'est une malcompréhension de ceux qui devaient le faire. Intervenant en ligne, probablement le dernier. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle. Monsieur Kissira, vous êtes trop proche du poste récepteur, éloignez-vous-en un tout petit peu. Monsieur Kissira, vous appelez d'où? Ah, de Sinandé, nous vous écoutons donc. Oui. Oui. Positif. Et vous n'allez pas avoir peur, monsieur Kissira. Ça me paraît dommage que nous sommes en radio et les minutes sont comptées. Dans quelques poussières de secondes, nous allons installer la page de l'actualité. C'est Doris Nathalie Olavi qui est aux commandes de cette rubrique condensée de l'actualité sur Nasuba. Oui, et le bulletin matinal. Juste un dernier auditeur pour la route. Le tout dernier en attendant Doris Olavi. Intervenant en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, on vous appelle. Ah oui, monsieur, notre cher ami Marouf Zakari, c'est ça? Oui. De Titirou, oui. Oui. Vous avez amené une initiative sur les papiers? Oui, bien sûr. Oui. Avec une très belle précision, je voulais dire que le sujet est bien précis. Nous parlons de l'organisation matérielle, sécuritaire et sanitaire de ce scrutin. Le sujet dont vous parlez, nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Il y a des institutions bien précises qui en parlent. Monsieur Marouf, vous m'avez compris. Et merci de nous suivre, merci de suivre Nasuba. C'est terminé puisqu'il est 7h, l'heure de l'actualité. Nous allons installer Doris Olavi qui est déjà dans ce studio. Merci d'écouter Radio Parakou, il est 7h. Le journal. Infomatin. Doris Nathalie Olavi. Voilà qui est bien installé, Doris Nathalie Olavi. Bonjour. Bonjour Aziz Alagbe. Avec plein de Doris, n'est-ce pas? Vraiment. Je vous laisse aux auditeurs. Merci à vous, Aziz Alagbe. Chers auditeurs, c'est avec un plaisir que je vous retrouve ce matin et surtout que je sais que vous vous portez très bien. Voici le sommaire du journal. Dernier réglage pour la proclamation des résultats provisoires du scrutin de dimanche 17 mai par la Sénat. Lesquels résultats sont prévus pour ce jour?
Le ministre de la Santé, au cours d'une rencontre tenue hier, a expliqué les raisons de la baisse des chiffres annoncés des cas de COVID-19 détectés au Bénin. Vous le suivrez également dans ce journal. Hors de nos frontières, la semaine dernière, 12 personnes soupçonnées de terrorisme ont trouvé la mort pendant leur détention à la gendarmerie de Tawalbougou. Voilà pour ce qui est des sommaires, les détails c'est tout de suite. Bonjour, la machine est huilée et fonctionne à fond au niveau donc de la Commission électorale nationale autonome suite au scrutin du dimanche dernier. C'est ce qu'a confié la vice-présidente de la Sénat. Elle lève un coin de voile sur les travaux actuellement en cours avant la proclamation des résultats. Geneviève Bourconadjo. Toutes les cantines sont rentrées à la Sénat. Nous avons reçu également tous les résultats par téléphone. Là où nous avons des braises actuellement, c'est au niveau de la salle informatique. Parce que vous savez que ne nous suffit pas de recevoir les résultats par téléphone de nos coordonnateurs d'arrondissement. Encore faut-il que nous les croisions avec les procès-verbaux de compilation qu'ils ont eu à déposer. Au rythme où les choses vont, avec la grâce de Dieu, demain soir, nous pourrons déjà annoncer les résultats provisoires, quitte à ce que les différents recours soient introduits au niveau de la Cour suprême, que cette dernière vide le contentieux afin que nous puissions avoir les résultats définitifs. Quel est le sort réservé aux personnes arrêtées lors du scrutin pour les soupçons de fraude? La réponse de la vice-présidente de la Sénat. Les commissariats ont connu de ces différents cas d'indélicatesse. Je crois qu'il y aura des procès-verbaux d'enquête préliminaire qui seront rédigés à cet effet, que le procureur de la République sera saisi et que force, au bout du compte, restera à la loi. Les votes pour le choix des élus communaux et municipaux se sont donc déroulés sur tout le territoire national. Ces votes terminés, les regards sont tournés vers les experts de la Sénat pour l'attribution des sièges et ceux de la Cour suprême pour la validation des résultats de la Sénat. En attendant, Radio Parakou a pris le juriste Jean Nazetama sur comment se fera les répartitions des sièges. L'homme de droit parle ici du premier critère qui peut donner droit à une attribution de sièges à un parti politique. Par ce système de 10%, le code électoral, c'est-à-dire la loi 2019-40 du 15 novembre 2019, dit que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. Cela veut dire que tous les partis politiques en compétition, s'ils n'arrivent pas à recueillir 10% du suffrage national exprimé, ils ne sont pas éligibles à la répartition des sièges. Ils sont d'office éliminés. Donc pour pouvoir compétir, pour pouvoir faire cette joute électorale, il faut tout faire pour que sur le plan national, que votre liste puisse recueillir 10% des suffrages exprimés. Si vous ne le faites pas, si vous n'obtenez pas les 10%, ça veut dire que vous êtes d'office éliminé de la compétition. Vous ne pouvez pas prendre part à la répartition des sièges. C'est ce que ça veut dire. Et c'est l'article 184 du code électoral, le dernier, hein, en date, qui le dit. Vous voyez, c'est ça d'abord la première marche à franchir pour pouvoir prendre part à une joute électorale au Bénin, conformément au texte qui régit les élections dans notre pays. Une fois ce critère rempli, le spécialiste en droit public fait comprendre le processus d'attribution des sièges au niveau des arrondissements. Jean-Nazaire Taman. L'article 183 énonce que la détermination du nombre de sièges par arrondissement s'effectue sur la base d'une répartition proportionnelle au poids démographique. Cette répartition proportionnelle se fait sur la base du quotient communal et le quotient s'obtient en divisant l'effectif de la population de la commune par le nombre de sièges à pouvoir au conseil communal. Donc déjà, il faut le quotient communal. C'est d'abord la première clé. Et ce quotient communal-là, on nous dit pour l'obtenir, on dit c'est se fait sur la base du quotient communal. Le quotient communal, comment on peut l'obtenir là? Si je prends la commune de Parakou, on dit qu'il faut exprimer 200 000 personnes. Or, on sait que à Parakou, il nous faudra 33 sièges. Pour avoir le quotient communal, il faut faire 200 000 divisé par 33. Donc, les articles 183 et 184 constituent des boussoles sûres, solides qu'il faut avoir
rêver dans sa tête. Jean-Nazaire Taman, enseignant du droit public à l'université de Parakou, au micro de Roubetou Titi et de Kolawole Boniface Biaou. Pandémie du Covid-19, le Bénin passe de 339 cas à 130 à la date du 19 mai 2020, selon le ministre de la Santé. Ces nouveaux indicateurs tiennent compte de ce que seuls les tests de PCR sont retenus par l'OMS, ce qui diminue sensiblement le nombre de cas officiellement confirmés auparavant. Le Bénin avait déjà réalisé 13 261 tests de dépistage PCR et 13 070 tests de TDR. Suivons les explications du ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Les tests qui ont été réalisés ne sont pas remis en cause par l'OMS. Le Bénin a choisi de revenir à une norme, disons, respectée par tout le monde. Parce qu'il faut pouvoir comparer les chiffres. Lorsque vous prenez les chiffres donnés par les autres pays, même des pays qui sont en train de réaliser des tests diagnostiques rapides, ils ne communiquent que les données de la PCR. Cela fait qu'en voulant comparer, vous comparez des données du Bénin qui associent les diagnostics posés par et tests diagnostiques rapides et PCR à d'autres données qui ne sont que des données issues de la PCR. Vous comprenez aisément donc qu'il y a, il y aura un problème de comparaison des données. La deuxième chose fondamentale, l'OMS ne met pas en cause les tests diagnostiques rapides. Ce que l'OMS dit, c'est que pour le diagnostic, pour poser le diagnostic, il faut s'en référer à la PCR, c'est-à-dire la recherche même du virus. Mais les tests diagnostiques rapides permettent d'attester que la personne a été en contact avec le virus. Donc ce n'est pas le test qui est remis en cause. Eh bien, la communauté internationale célèbre chaque 20 mai la journée de la métrologie, une manifestation annuelle au cours de laquelle plus de 80 pays célèbrent l'impact des mesures sur notre quotidien. Cette année, le thème est intitulé « Les mesures sur le commerce mondial ». Sadia Alimatou Assouman, ministre de l'Industrie et du commerce, s'est adressé à la population à la veille de cette célébration. Le 20 mai est la date à laquelle se tient cette journée, qui célèbre l'anniversaire de la signature de la Convention du Maître en 1875. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial des mesures cohérent, essentiel pour les découvertes et l'innovation scientifique, la production industrielle et le commerce international, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. Les différents laboratoires nationaux de métrologie participent également à des comparaisons coordonnées par le Bureau international des poids et mesures afin d'assurer la fiabilité des résultats de mesure dans le monde. À travers la célébration de cette journée, la communauté internationale essaie d'augmenter notre connaissance de l'importance et les avantages de la métrologie. Cette année, le gouvernement béninois entend associer cette science qu'est la métrologie à la fiabilité des instruments de mesure de température, tels que les thermomètres infrarouges et les thermomètres laser utilisés dans le cadre de lutte contre le Covid-19. Dernier élément de ce journal, les apiculteurs des départements de l'Atakora, de la Donga et du Borgou subissent des assauts répétés des voleurs et destructeurs de leur installation. Dépassés par ces actes de sabotage, les producteurs de miel sollicitent l'intervention des autorités pour arrêter la saignée. Ikiliro Gounousero a reçu l'une des victimes. Les vandales ne se contentent pas seulement de s'emparer du miel. Ils saccagent systématiquement les ruches, causant ainsi des désagréments aux apiculteurs. John Dari, apiculteur installé à Parakou. Il récolte le miel, après il détruit la ruche, il brûle les abeilles. Donc toute la ruche est brûlée, la colonie d'abeilles est brûlée. Ça veut dire que l'apiculteur enregistre 3 pertes sur champ. Il n'a pas eu le miel, il n'a plus sa ruche, il n'a plus les abeilles. Dimanche passé, j'ai reçu un apiculteur de Guébessi. Sur 80 ruches, il ne lui reste que 5 ruches. Ils sont allés détruire les 75 ruches. Pour stopper ces actes de vandalisme qui prennent de plus en plus d'ampleur, le jeune entrepreneur en apiculture appelle les autorités au secours. La situation est très grave parce qu'il y a plusieurs qui survivaient grâce à l'apiculture et maintenant se voient totalement défaits de leur espérance. Ça devient tellement très très compliqué. Au Bénin, on peut vivre de l'apiculture,
Mais déjà, si c'est de ça que je vivais et que je vais, je vois tout est déjà foutu, je n'ai pas une assurance, je n'ai rien, c'est très grave. Donc, que aujourd'hui les autorités à divers niveaux qui m'entendent actuellement, qu'ils se penchent sur la situation et comprennent vraiment des mesures pour pouvoir arrêter cette catastrophe qui est en train de se généraliser. Parce qu'on ne peut pas vivre sans l'apiculture. Sans l'apiculture, on ne pourra même pas trouver à manger. C'est pourquoi Albert Einstein disait que si l'abeille disparaissait de la nature, il va rester 4 ans alors pour disparaître de la terre. La survie de l'humanité et le développement durable en dépendent. Donc, vous l'avez compris, nous sommes hors du Bénin, précisément au Burkina Faso, où la semaine dernière, 12 personnes soupçonnées de terrorisme avaient trouvé la mort pendant leur détention à la gendarmerie de Tawalbougou, selon le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fada. Selon les membres du collectif contre l'impunité et la stigmatisation de communautés, les circonstances réelles de la mort des 12 personnes dans la nuit du 11 au 21 mai dernier doivent être élucidées. Pour le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, il n'y a pas de doute, les 12 personnes ont été tout simplement exécutées sous le couvert d'une lutte contre le terrorisme. Après des recherches, c'est à la morgue de la ville de Fada que le député Aziz Diallo a découvert le corps sans vie de son cousin. Le Maroc a prolongé ce lundi l'état d'urgence jusqu'au 10 juin. Cela signifie la poursuite du confinement, mais aussi le maintien de la fermeture de ses frontières, une mesure prise dès la mi-mars. Un coup dur pour les plus de 10 000 Français et Marocains résidant en France qui sont toujours coincés dans le pays. Des vacances, des visites familiales ou professionnelles qui se transforment pour beaucoup en cauchemar avec très peu de moyens de rapatriement et un sentiment d'être abandonné par l'État français. Une nouvelle technologie de prévision météo commence à paraître sur le continent africain. Elle permet de connaître avec une précision et surtout une rapidité décuplée les phénomènes météorologiques dans les pays l'ayant adopté. La nouvelle méthode pour des prévisions météo plus précises s'appelle Nowcasting, prévision immédiate en français. Elle permet d'observer les phénomènes météorologiques sur des périodes très courtes de quelques heures et avec surtout une transmission quasi instantanée des données à peine 15 minutes, ce qui permet de suivre avec précision la formation et l'évolution des vents, des pluies ou des tempêtes. Depuis l'année dernière, l'Université britannique de Leeds mène un programme inédit au Sénégal, au Nigeria, au Ghana ou encore au Kenya. À l'heure où les bouleversements climatiques causent des catastrophes naturelles, aux conséquences souvent dramatiques, ce nouveau système pourrait jouer un rôle crucial. Les appels à l'unité face au COVID-19 commencent-ils à porter leurs fruits? Toujours est-il que l'OMS a su dépasser ses divisions ce mardi pour mieux coordonner la réponse de la communauté internationale. Ses membres se sont prononcés pour un accès universel au traitement, vaccin compris. Le test demande également une évaluation de la gestion de la crise par l'OMS. Washington en guerre larvée contre la Chine et l'OMS a laissé faire tout en se dissociant de points majeurs de la résolution. Après presque 15 heures de visioconférence réparties sur deux jours entre 194 États membres, les applaudissements ne sont pas surjoués. Jusqu'au bout, personne ne savait vraiment si les États-Unis allaient bloquer l'adoption du test. Ce test demande notamment aux États et aux groupes pharmaceutiques de tout faire pour rendre accessible
au plus grand nombre les futurs traitements contre la COVID-19, mais Washington s'est désolidarisé de ce paragraphe comme l'y autorisent les règles de l'OMS. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Aziz Alagbé, Nassouba se poursuit. Bien sûr, Doris Nathalie Olabi, Nassouba se poursuit. Et merci pour ces efforts de compilation de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Le prochain rendez-vous de l'actualité, vous y êtes. 9h. À partir de 9h, le bulletin local. Merci. Vous restez avec nous, Doris Nathalie Olabi. L'information se poursuit, mais autrement, la revue des titres. Que disent les canards qui paraissent aujourd'hui, mercredi 20 mai de l'an 2020? C'est José Nimandi qui nous fait la compilation des grands titres de ces canards. Le quotidien du service public qui affiche en manchette élections municipales et communales, les résultats provisoires ce jour. Lutte contre le coronavirus, les cas positifs en nette diminution. Fraternité, le quotidien de Ménantin. Arrêt de la Cour suprême suite au recours de l'ANCB, les éclairages de Maître Ibrahim Salami sur les 10%. Valorisation des coques de cadou, du charbon vert pour contrer la déforestation. Le Progrès. Benjamin Mpanti à propos des données PCR, je cite, l'OMS ne remet pas en cause les tests de diagnostic rapide. Journée mondiale de la métrologie, promouvoir les mesures pour un commerce mondial équitable. On évolue toujours, on est cette fois-ci avec le potentiel. Tendance provisoire des communales 2020, ces leaders qui ont échoué dans leur fief. Le journal affiche les photos de ces leaders. Réajustement du nombre de cas confirmés au coronavirus, l'OMS invalide 209 cas. Mpati explique. L'appel du jour, scrutin du 17 mai 2020, la Sénat donne les résultats provisoires ce jour, même si le journal a écrit 17 mars. Rançonnement sur les gares et as routiers au Bénin, deux sujets d'enquête livrés à propos aux journalistes. Journée mondiale des télécommunications, la rupture prête à faire du Bénin la plateforme des services numériques. On va terminer par le meilleur. Élections communales et municipales du 17 mai 2020. La Sénat promet les résultats pour ce jour. Fête de l'Ascension 2020. La journée de demain, jeudi, déclarée férié, chômé et payé. Voilà. Voilà, bonne fête à vous, José Rondier. Et de l'autre côté, de la partie méridionale du pays, bonne fête par anticipation. C'était donc là, la revue des titres qui fait place au grand format. C'est l'instant grand format, 7h20 minutes à tous nos chronos. Les personnes du troisième âge et les malades chroniques sont les plus exposées à la pandémie du nouveau coronavirus. Vous comprenez, nous parlons santé, comme tous les mercredis d'ailleurs. Cela s'explique par le fait que leur système immunitaire est déjà affaibli par le poids de l'âge ou de la maladie. Les des santé, environnement de votre rédaction s'intéressent au sujet. Et c'est à travers le grand format de ce jour, signé les maladies chroniques à l'épreuve de la COVID-19, une présentation de Nathalie Doris Oulabi en nouvelle diffusion. Depuis l'avènement du nouveau coronavirus en décembre 2019, plusieurs messages ont circulé désignant les personnes du troisième âge et celles souffrant de certaines maladies plus vulnérables au mal. Explication du docteur Léopold Kodjo, chef du service cardiologie au centre hospitalier universitaire départemental du Borgo. Sur la base des recherches, le profil des personnes qui peuvent développer les formes graves de l'infection à coronavirus est relativement connue. Et dans ce profil-là se retrouvent toutes personnes porteuses de maladies chroniques,
en particulier le cancer, les pathologies respiratoires, mais il y a aussi les pathologies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde. Lorsque le mal survient chez ces personnes, la probabilité qu'elle soit de forme grave est très élevée. Elle peut de ce fait déclencher plusieurs pathologies cardiovasculaires. Un patient qui est traité pour insuffisance cardiaque, s'il fait l'infection à coronavirus, il y a plus de chances que son insuffisance cardiaque se réinstalle, donc qu'il décompense de nouveau. Le fait de faire l'infection à coronavirus peut exposer au déséquilibre du diabète, peut exposer également au déséquilibre de l'hypertension artérielle. Donc, les pathologies cardiovasculaires constituent un terrain sur lequel on peut avoir des formes graves de la maladie, mais le fait que la maladie survienne sur ce terrain peut dégrader davantage le terrain. La psychose du COVID-19 peut également être préjudiciable aux personnes souffrant de maladies chroniques. Docteur Léopold Kodjo. Nous sommes dans une psychose dans la population et dans ce stress généralisé, plusieurs affections cardiovasculaires peuvent se déséquilibrer également, notamment l'hypertension artérielle. Quand vous êtes stressé, la tension peut monter, tout simplement. Or, dès que la tension monte, il y a des risques de complications importants. Dans ces conditions, il faut juste des dispositions pour leur prise en charge adéquate. Et ces mesures de réanimation sont quand même en train d'être mises en place quand je prends le cas de Parakou. Parce que d'ici quelques temps, un grand hôpital a été identifié, des mesures sont en train d'être prises pour que un bon circuit soit mis en place afin que les patients graves puissent accéder directement à la réanimation. Donc, nous avons un service de réanimation, nous avons des réanimateurs, nous avons le scanner qui peut permettre de poser le diagnostic, surtout de gravité pulmonaire de cette maladie-là. Donc, je peux dire que les mesures de base pour gérer cette affection-là sont disponibles. Plusieurs malades s'inquiètent, surtout ceux qui ont des rendez-vous de consultation quant à la conduite à tenir. En l'état actuel de l'épidémie au Bénin et à Parakou en particulier, nous n'avons pas encore restreint les consultations. Donc, ceux qui ont des rendez-vous jusqu'à la semaine prochaine, en tout cas, ils peuvent venir à leur rendez-vous comme d'habitude. La seule précaution à prendre pour entrer dans le CHD désormais, c'est qu'il faut avoir un masque et il faut tenir quand même son carnet pour justifier que l'on a rendez-vous avec un médecin. Point besoin de modifier le traitement pour ceux qui en ont, rassure le médecin. En prévention à une éventuelle infection, actuellement, il n'est pas nécessaire de modifier son traitement. Au contraire, il faut vraiment prendre de façon rigoureuse le traitement. Tout ce qu'on a prescrit pour différents problèmes, diabète, hypertension, crise cardiaque et autres, il est important pour chacun de prendre rigoureusement le traitement, mais surtout de se surveiller tel que nous avons recommandé à chacun. Lorsque la pathologie est bien contrôlée, la fragilité face à l'infection au coronavirus diminue. Et donc, il est important de garder le traitement. La prise des anti-inflammatoires tels que l'aspirine est déconseillée en cas de COVID-19. Cependant, il reste indispensable pour certains malades. Alors, il y a un certain nombre de patients qui ont de l'aspirine dans leur traitement. Et comme nous l'avons entendu dans toutes les publications sur le coronavirus, les anti-inflammatoires sont déconseillés. L'aspirine est un anti-inflammatoire, mais la dose que nous donnons pour ceux qui souffrent de problèmes de cœur n'est pas une dose anti-inflammatoire. Le plus souvent, on donne l'aspirine 100 mg une fois par jour ou 500 mg un quart ou un demi de comprimé. Donc, ces doses-là ne sont pas des doses anti-inflammatoires et il n'est pas nécessaire de les arrêter. S'il y a des gens qui prennent de l'aspirine à forte dose pour d'autres problèmes cardiovasculaires, je leur déconseille également de l'arrêter, mais il est impératif qu'ils se rapprochent de nous pour que nous puissions voir avec eux s'il faut retoucher le traitement. Le docteur Léopold Kodjo invite toutes les personnes souffrant d'une maladie chronique au respect de leur traitement et à l'observance stricte et rigoureuse des gestes barrières que sont le port du masque, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le respect de la distanciation sociale et surtout le confinement.
Les maladies chroniques à l'épreuve du COVID-19, les malades chroniques bien sûr à l'épreuve de la COVID-19, une signature de Doris Nathalie Olabi que vous avez suivi avec intérêt, je l'espère. Mesdames et messieurs, nous sommes à quelques 3 minutes de 7h30 et nous allons souffler en musique le temps de rejoindre tous nos débatteurs qui sont déjà prêts quelque part, nous attendons. Respectons les conseils d'hygiène. Oh Allah, protège-nous dans ce combat. Coronavirus, para qu'on sourou, sort de chez nous. Soukouba qu'on a toto, sou no kararou toke, zanani et sasa. Dans ce face à face, c'est mon peuple qui s'opère. Plusieurs milliers de morts, encore des morts, toujours des morts. Coronavirus, para qu'on sourou, sort de chez nous. Il passe sous nous d'ailleurs, passe au cana, sous cabara détona. Coronavirus, ça n'y est la loi, sous paille, oui. La COVID-19. Saka iri nase monde entier est angoissé, les chercheurs sont submergés, l'Afrique est tétanisée, les grandes puissances sont bouleversées. Nos économies sont asphyxiées. Coronavirus sort de chez nous. Le monde entier est angoissé. Les chercheurs sont submergés. L'Afrique est tétanisée. Coronavirus sort de chez nous. Les grandes puissances sont bouleversées. Nos économies sont asphyxiées. Coronavirus sort de chez nous. Malgré nos ressources naturelles et intellectuelles, le coronavirus continue par faire des victimes sans distinction de race, de religion et de profession à travers le monde. Hey-cha. J'interpelle la conscience individuelle et collective pour un sursaut à l'assaut de l'ennemi invisible qui est le coronavirus. Peuple d'Afrique et du monde, lavez-vous fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau de savon. Évitez les contacts proches et maintenez une distance d'au moins 1 mètre. Évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Respectez les règles d'hygiène respiratoire. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir en cas de toux et d'éternuement. Jetez le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se lavez proprement les mains. Évitez les sorties intempestives et portez vos masques pendant vos déplacements utiles. Réveille-toi Afrique, réveille-toi l'humanité. Attends, attends, oh, tu...
Voilà, c'était donc la Pharaon qui nous aidait à installer, bien sûr, les débatteurs du jour. Mesdames et messieurs, Nasuba se poursuit avec le dernier virage de cette émission matinale. Ça se discute, le plateau des débatteurs. Ça se discute. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute, c'est bien. Maintenant, nous parlons de l'organisation matérielle du scrutin du 17 mai passé, également de la mise en œuvre effective des gestes barrières et tous nos reporters qui ont couvert l'étendue du territoire. En tout cas, votre radio était au rendez-vous avec plusieurs reporters. Nous en aurons trois en direct sur cette émission. Et Kilou Gonsero qui a couvert une partie du Borgou, à savoir Bemereke, Niki, Kalale et Sinandé. Kilou Gonsero est en ligne. Kilou, bonjour. Bonjour à vous, Aziz, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes fatalement bien. Très bien, en forme. Juste avec Ikinaru Gonsero, il y a Firmé Bassao, qui lui était de l'autre côté de la Takora, précisément. La titre de la BKP, à savoir Kirou Kwande et Pionko. Firmé Bassao, bonjour. Bonjour Firmé Bassao. Bonjour, Aziz Alakoué. Je vous reçois très faiblement. Ah, très faiblement, nous allons essayer de régler un tout petit peu la connexion ici. Voilà, c'est vrai qu'on a tout fait. Bonjour à tous. Firmé Bassa. Firmé Bassa, vous êtes en direct? Oui, bonjour. Oui, décidément, un souci de connexion. Un souci de connexion ici avec un rappel de l'équipe de l'équipe. Décidément, Firmé Bassao nous reçoit très très faiblement. L'élection s'est bien déroulée dans la zone que nous avons couverte. Oui. Vous l'avez rappelé il y a un instant, nous étions de la Takura 1 et qui regroupait la commune de Nadi-Tengu, Kwandi, Kerou et Péanko. Tout s'est bien passé de ce côté-là le dimanche dernier où les populations ou les électeurs étaient appelés à choisir leur élus locaux pour la quatrième mandature des communales. Oui. Et donc tout s'est bien passé, même malgré que aux premières heures du dimanche, l'orage qui menaçait ce matin-là n'était pas favorable au scrutin et les populations se sont mobilisées et puis ont pu accomplir ce vote-là à Dizalagué. Merci pour ce passage introductif, Firmé Bassao. Nous allons également installer Abdoué, Oumine Wakoubou, qui est de l'autre côté de l'Ibouye, qui a parcouru, je veux dire, toutes les six communes de cette région. Abdoué, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Parafou.
Nous allons parler de l'organisation matérielle du scrutin aussi. La mise en œuvre effective des gestes barrières matérielles était-elle disponible à la population autant suivant les instructions? Ça sera que vous allez nous parler. Et là, je reviens à Kélaou Bounoussara, qui est lui à la Paracou aussi. Kélaou, dites-nous, dans la région de Borbou-Kéréki-Karamé, si vous êtes votre parti de Borbou, en ce qui concerne la mise en place du matériel, qu'avez-vous constaté? Oui, merci à vous, Aziz Alagbe. Il faut dire que, hormis la commune de Mbreke, où il y a eu pluie, le dimanche, déjà à partir de 5 heures, il y a eu pluie jusqu'autour de 7h30. Voilà, c'est à Mbreke qu'il y a eu un peu de retard dans la mise en place du matériel électoral. C'est vrai que la veille, déjà, il y a eu le colisage, et les urnes ont été convoyées au commissariat central. C'est là-bas que les paysans déposent le vote sous la supervision des coordonnateurs d'arrondissement en sont entrés en possession de leur urne autour de cette heure à cause de temps plus. Donc, finalement, pour que le premier pot s'ouvre, il faut attendre 7h48 minutes pour voir le premier centre ouvrir ses portes. C'était au niveau de EPP Guéret. Et là, c'est à 7h50 pour être plus précis que le premier votant a glissé son bulletin dans l'urne. Voilà un peu. Donc, il faut dire que dans l'ensemble, dans les autres communes, c'est autour de 7h03, 7h02 que les bureaux de vote ou les postes de vote ont ouvert, bien sûr, leurs portes pour fermer autour de 16h03, voire 16h30, voire 16h15 pour que le déploiement commence et que le déploiement s'est achevé autour de 17h, 18h par là. Donc, dans l'ensemble, je peux dire que la mise en place du matériel électoral s'est achevée autour de 7h48 minutes quand on prend en compte dame plus qui voulait perturber un peu le début des opérations de l'Ocosité. Dans la région de l'Albanie qui a été totalement arrosée, puisque les tiens, est-ce que ceci a un impact sur le déroulement du scrutin ou sur la mise en place du matériel? Pas du tout. Il faut dire effectivement que les communes de l'Albanie étaient arrosées par une grande pluie jusqu'au petit matin, mais juste avant 7h, déjà à 10h du matin, au niveau des arrondissements, la mobilisation était grande pour que les membres des postes de vote soient à l'heure, à 7h, pour le démarrage des opérations électorales. La pluie, cette grande pluie n'a pas eu d'impact, n'a pas influencé la sortie, la mobilisation des électeurs dans les communes du département de la Ligurie. Il faut également le souligner à la vie côté matériel. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas du tout d'insuffisance parce que de par le parti, on parle actuellement de tel ou de tel autre matériel électoral, mais ce n'est pas le cas pour ce scrutin communal et c'est véritablement à mettre à l'actif de la Commission électorale nationale autonome. Tout s'est bien passé au niveau des 6 communes du département de la Ligurie. Il faut le souligner aussi, les postes de vote ont démarré dans la majorité des cas à 7h. Les rares postes de vote qui n'ont pas pu démarrer à l'heure ont démarré autour de 8h54, le poste de vote qui a démarré un peu plus tard, comme on l'a constaté quelque part dans la commune de Kandji, mais dans la majorité des cas, le matériel était disponible, les électeurs étaient présents et le scrutin s'est bien déroulé à la satisfaction de tous les électeurs. Fernand Bassaou. Nous allons nous intéresser à d'autres acteurs de ce scrutin-là, le représentant de la CENA, la Commission électorale nationale autonome, sa représentant à la base, on va parler de Paul Foucault, le coordonnateur d'arrondissement, les assistants, le rôle de poste de vote. Était-il à la hauteur de l'attache et le fermier Bassaou? Oui, comme Abdelmouni vient de le souligner, c'est moi en tout cas, et de par le passé,
c'est la première fois que je constate une bonne organisation d'une élection et tout s'est bien passé. Les différents démembrements point foco de la Sénat étaient tous à l'heure et présents au poste et ont même collaboré avec nous. C'est chaque fois que vous allez vers un point focal ou un coordinateur d'arrondissement, c'est à très joie et qu'il sera disponible et se prête, il se soit d'abord ce qu'il fait et se prête à vos préoccupations. Cela, ça m'a particulièrement marqué sur le terrain et cela témoigne de ce que la Sénat de Emmanuel Tiando a pu mettre les petits plats dans les grands pour que l'élection se déroule, en tout cas du point de vue organisation matérielle. Moi, pour les quatre communes que j'ai actionnées, Nassitengou, Pouandé, Kérou et Pienko, et c'était vraiment bien organisé et les auditeurs, les téléspectateurs ont eu l'occasion
de le voir. Alors voilà, merci. Avec vous, nous avons parlé de cet engouement des populations, parce que c'est ce qui a été observé là-bas de l'autre côté de la Liborie et de surtout l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet engouement accompagné d'une certaine discipline de ces populations-là, de ces électeurs qui sont venus accomplir leurs devoirs civiques, Abdoulaye? Oui, il faut dire que les populations ont compris l'enjeu des élections communales, parce que c'est l'élection de ceux-là qui sont appelés à gérer les affaires locales. Et en cela, il faut dire que ce soit la radio Parafou, la régionale de l'ORTB et beaucoup d'autres radios de proximité ont eu le temps de faire des émissions pour faire comprendre les enjeux de cette élection-là. Et pendant la campagne électorale également, ces enjeux ont été rappelés. Je suis convaincu que cela a eu une influence positive au niveau de l'électorat qui a choisi de sortir, de se mobiliser pour une forte participation. Nous sommes allés, à titre d'exemple, dans une localité appelée Sori. Et oui. À ce niveau-là, dans l'école, quand vous rentrez dans le centre de vote, vous pensez tout de suite que vous êtes dans un marché international. Vous êtes surpris, il y avait du monde. Je n'ai pas vu ça il y a longtemps à l'île d'Alagé. Donc, oui. C'est dire que les populations ont compris les enjeux de ces élections. Et c'était véritablement intéressant. Et la campagne médiatique, radiophonique et télévisuelle a également porté ses fruits. Alors, Ferrand Bassaou. Oui, il y a de ces acteurs-là qui aussi, sinon dont le rôle a été vraiment salué par les populations et les autorités. Je veux parler de la police républicaine. Est-ce leur présence effective qui aurait réduit les troubles, parce que il n'y en a pas eu presque? Oui, il n'y a pas eu de troubles, et il faut l'avouer. Et la présence des éléments de la police républicaine et même des forces armées béninoises était remarquable sur le terrain. Mmh. Par exemple, quand on prend Nati Tengu, où nous avons eu à échanger avec le commissaire central de Nati Tengu, il nous a confié, et à la veille déjà du scrutin, il y avait déjà des éléments qui savaient où ils devaient être positionnés. Mmh, vous voyez, donc plus de 18 policiers dans la ville de Nati Tengu. Et en plus de ça, le jour même du vote, on a pu remarquer également les militaires. Donc, c'était comme une mixité. Ils n'étaient pas exclus, que vous voyez, dans un poste de vote, et militaires et policiers. Et vous savez, nous sommes en Afrique, et au Bénin particulièrement, où la vue du gendarme suffit déjà pour discipliner les uns et les autres, comme on le dit. Le gendarme, c'est déjà le début de la carrière. Yes, bien sûr. Donc, et on les a vus également en dehors de leur présence qui dissuadait les uns les autres, c'est qu'ils aidaient aussi à faire respecter les mesures de distanciation sociale, parce que c'est ce que nous allons en parler tout à l'heure. Bien sûr, donc bien sûr. Il faut la rendre vraiment un hommage mérité à ces éléments et en armes et qui ont été déployés, qui étaient en mission républicaine. Et c'est dû que le ministère de l'Intérieur aussi a joué un grand rôle dans l'organisation pratique de cette élection-là. J'aimerais revenir, si vous le permettez, sur la communication, particulièrement dans les deux cafés et à Tumi-Tumi, où nous avons voulu, commencer par la séjour. On a été confrontés. Tout à fait dans Nati Tengu. Vu que le nom a marqué l'histoire du pays à travers certains événements électoraux, nous avons voulu commencer notre reportage par la mer. Une fois arrivé à 6 heures, on a constaté qu'il n'y avait pas du tout le réseau. Aucun réseau GSM ne fonctionnait. Donc, pour vous dire que nous avons encore des localités au Bénin où la communication est un luxe. Bon, cela ne nous a pas empêché de faire notre travail. Nous avons tout à l'heure rallié Perma, toujours dans Nati Tengu, d'où nous avons pu rendre compte de ce qui se passait là-bas. Donc, la couverture a été bien assurée. Et qui l'a souligné, l'ORTB a innové cette fois-ci à travers la visioconférence. Donc, c'était quand même une première et cela a donné ses fruits et beaucoup de Béninois ont apprécié. Chaque fois que vous allez dans une localité, vous vous présentez, vous dites que c'est l'ORTB, on vous rappelle votre nom en même temps. Ça veut dire que ceux qui étaient là, ils suivaient déjà la radio, savaient quel reporter était
était dans quelle zone. Ça veut dire que l'ORTB a vraiment suivi. L'ORTB ne continue pas de tenir cette palme d'or là, en matière de couverture. Quand vous suivez l'ORTB, c'est que vous êtes connecté sur tout ce qui se passe au Bénin en matière électorale, tous les événements. Et comme le premier auteur, ainsi de suite, Aziz Alavi. Voilà, une palme d'or, hein, desservée par Fémé Bassaro, une palme d'or qui est conservée, j'allais dire, et qui est reconnaissante si on devait se prononcer sur le volet sécurité dans votre région, la région de Bembe, Keniki, Kalale, Sinandé. Oui, je ne dirais pas autre chose que ce que Fémé Bassaro a dit pour parler de cette mobilisation de la police républicaine et bien sûr du détachement des éléments du camp Seropéra de Parakou basé à Niki et qui sont un peu dispatchés au niveau de ces quatre communes-là, en complicité bien sûr avec la police républicaine, c'était des forces mixtes que nous avons eu droit où la sécurité était au point. Et aussi, il faut dire que ce qui a facilité cette élection, l'organisation de cette élection dans la paix, dans la quiétude, dans la discipline, c'est parce que la population également était disciplinée. Si la population n'est pas disciplinée, vous savez que oui, les forces de l'ordre, à un moment donné, ne pourront pas contenir les dérapages. Donc, il faut saluer d'abord la discipline des populations et aussi également aussi saluer la mobilisation de la police républicaine et des éléments du camp Seropéra de Parakou déployés dans ces quatre communes-là. On a vu que c'était bien organisé, c'était les policiers et les militaires étaient à tous les centres de vote, puisque dans un centre de vote, on a plusieurs postes de vote. Donc, ils étaient dans ces centres de vote-là et ils étaient un peu discrets aussi. C'est ça aussi. Et leur présence n'était pas de dissuader ou bien d'influencer les électeurs. Non, leur présence était également de montrer que oui, il y a la sécurité. Mais ils étaient à l'écart des opérations, comme s'ils n'étaient pas là pour sécuriser les lieux, mais avec aussi ce regard attentif aussi à la fois. Donc, c'est vrai que le professionnel y était. Mais dans l'ensemble, il faut reconnaître une chose. Si nous avons eu droit à cette élection, nous avons eu droit à une élection paisible, apaisée, sans accroc, sans amicroc, c'est parce que quelque part aussi, il faut reconnaître que le dialogue politique est passé par là. Il y a également que c'est une élection inclusive où on a eu droit à cinq partis, les deux anciens partis qui ont pris part aux législatives, plus les trois autres, à savoir le PRD, le FCB, plus le BR et l'UP. Donc ça va être parti, donc tout le monde se sentait concerné par cette élection-là. Donc ça a facilité ce caractère pacifique de cette élection que nous avons pu observer sur l'ensemble du territoire au-delà des quatre communes que nous avons couvertes. Donc vous, nous allons faire la transition. L'autre enjeu, un grand enjeu de ce scrutin, c'est la réponse contre la propagation du Covid-19. Abdoulaye Yakoubou, le gouvernement l'avait annoncé. Par rapport au propos de Ikelo Gounoussero, ce qui a également facilité la participation, la grande participation des populations, c'est le fruit de la réforme du système partisan, parce que l'électeur n'avait pas à compter une centaine de partis politiques avant de cocher son choix. Donc, ça a permis d'aller un peu plus vite lorsque le votant rentre dans l'urne, il fait justement quelques secondes et il ressort pour aller vers l'urne et là, mettre à l'actif de la réforme du système partisan. C'est bien. Moi, j'ajouterais que il y a aussi l'assurance donnée par le gouvernement à travers la Sénat de la mise à la disposition de la population comment on appelle, les matériels sanitaires de protection. Les populations se sentaient protégées contre cette pandémie parce qu'à l'annonce du scrutin, ce n'était pas gagné à l'avance. Puisque vous avez abordé ce point, quel était-il au niveau de votre région? Est-ce que la disponibilité de ce matériel était effective? Et aussi, quel usage ont fait les électeurs? Oui, il faut l'avouer, le matériel de protection contre le COVID-19 tel que annoncé par le gouvernement, ce matériel était omniprésent. Nous n'avons pas vu un seul poste dans les deux cas PO à Nassé Tengou. Il n'y avait pas de masque ni d'alcool hydroalcoolique. Donc, tout était vraiment au point. Et là, j'avoue que c'est l'un des
les points à mettre à l'actif du gouvernement, puisque quand on annonçait que tout cela sera disponible, beaucoup étaient encore des symptômes. Beaucoup n'avaient pas cru. Et moi, je me demande comment est-ce qu'ils ont pu faire cela pour que ça aille jusqu'au point d'être reculé de la Tacola. Ça, on en a vu. Mmh. Et chaque fois qu'un citoyen venait, on lui tendait le masque, il l'enfilait ça rapidement. Bon, même si certains n'arrivaient pas à le placer dans les normes, il y a quand même des gens qui veillaient à ça. Une vieille qui n'a pas... Mais on a dû l'aider à la porter, la poser était là. Donc, tout ça là, ça a vraiment contribué à rassurer la population. Mais toutefois, oui, moi, j'ai déploré personnellement un certain nombre d'attroupements, notamment au niveau des... Ça dit ça, c'est au moment de la fermeture et des postes de vote. Oui. Vous savez, c'est le moment crucial où tout le monde veut voir ce que chaque formation politique a obtenu. Donc, ça a donné lieu à des attroupements par endroit au niveau des bureaux de vote et même au niveau des arrondissements vers 19, vers 21 les urnes étaient convoyées. Donc, les agents, les démembrements de la Sénat eux-mêmes, ils se sont rassemblés. Bon, chacun voulait vite délibérer au niveau des entrées, même à l'intérieur des salles. Donc, cela, nous avons déploré ça. Du côté de Malibani, en train de se rendre, s'il vous plaît. Oui, là, il faut saluer le sens d'anticipation et de responsabilité du gouvernement de notre pays parce que les kits de protection contre COVID-19 étaient disponibles dans tous les postes de vote que nous avons pu visiter et c'était véritablement intéressant. Ça a créé même l'harmonie au niveau des électeurs et ça rassurait les électeurs. Donc, c'est véritablement important parce qu'on n'y croyait pas. Donc, merci à vous tous. Quelle réponse à l'environnement en 30 secondes? Oui, je dirais que tout simplement, les mesures barrières ont été respectées dans les communes que nous avons sillonnées. Mais il faut savoir qu'il y a que la distance sociale n'est pas respectée par endroit et surtout au moment de dépouillement, tout le monde a oublié le Covid. Il y avait aussi le stress. Effectivement, le stress. Dans le départ, c'est vrai que les masques. C'était donc la table de discussion avec Ikelaro Bonsero qui a supervisé la zone de Bamberekene-Kikala-Lessinandé. Firmé Bassaro, qui nous disons merci également, qui nous revient de Matitengo et de DKP Abdoulaye Yakoubo, en direct de Kandé, qui lui a supervisé le 6 communes de Malibani. Merci à vous tous. Didier Aïna, Emmanuel Boton, Doris Nathalie Olabi, Claudia Dandé, moi-même Aziz Alagoué. Nous vous retrouvons vendredi, puisque demain nous ne serons pas avec vous pour Nasuba. Vendredi, c'est un temps libre, chers amis de Opinion.